Alors, je vous parlais donc la recette d'un cocktail. Avant de démarrer, j'ai enchaîné en suivant, j'ai pas eu le temps de me changer, je vais commencer déjà par les bases. On va déjà repartir. Je vais me changer, j'en ai pour 2 secondes. Voilà. Alors, une fois qu'on est impeccable, déjà, c'est un peu mieux, on peut travailler dans de bonnes conditions. Et je vais relever les manches parce qu'un magicien se doit d'être toujours clean, comme on dit, et d'avoir. Il n'y a rien à voir, c'est ça qui est fort. Alors, voyons, voyons, on parlait d'un cocktail. Alors, on démarre, il nous faut un shaker. Et la recette, c'est le rhum grenadine. Alors, attention, ça paraît très simple, mais ce n'est pas à la portée de tous. Le secret, c'est le dosage. Le sucre avec la grenadine, hop, pas trop, pas trop. Parce que sinon, ça devient vite trop sucré et vite écœurant. Le rhum, c'est l'appréciation de chacun. En général, moi, je préconise une seule chose, la modération, évidemment. Alors, hop là, ça, c'est bon ici. On a notre grenadine, notre rhum. On peut y rajouter, hop, quelques glaçons pour la fraîcheur et on check. Voilà. Ça, on verse dans le verre. Alors évidemment, tous les restaurants, tous les bars ont un peu leur petit secret pour essayer de convoiter la clientèle. Le mien est très simple. En général, j'y rajoute mon ingrédient mystère. Chacun fait ça. Moi, c'est ça, c'est du papier comme ça. Simplement, si vous remarquerez, si on brûle, on retrouve tout de suite un petit poisson. La fraîcheur des produits, il n'y a pas mieux. Je veux dire, aujourd'hui, on est pas mal. Alors, par contre, c'est vrai que dans le rhum, comme ça peut laisser à désirer pour le pauvre poisson, mais je vous rassure tout de suite, je ne suis pas du genre à essayer de souffrir les bêtes. C'est quelque chose qui m'embêterait assez. On peut y rajouter une petite paille. Impeccable. Avec ça, on est pareil.